de 0% à 86%. L'école primaire publique de Mahombé est passée de l'ombre à la lumière. Après avoir défrayé la chronique l'année dernière pour avoir fait 0% au CEPE, l'école a lavé la France cette année. Une grande fête est prévue dans cette localité du Kénédougou pour saluer ce défi relevé. Drissa Traoré Moussa Sanon. École primaire publique de Mahombé. Parmi ces enfants qui jouent au ballon ou qui font la cuisine, de nombreux élèves de la classe de CM2 récents lauréats du CEP, les certificats d'études primaires où l'école a réalisé un bon taux de succès. J'ai eu mon CP. Je suis très contente. J'ai appris bien mes leçons en classe. Le maître aussi a travaillé bien tous les jours, même les dimanches. Contrairement à 2017 où l'école Mahombé avait fait 0% au CP, cette année, ils sont au total 31 sur 36 candidats admis, soit un taux de succès de 86,11%. L'enseignant titulaire de la classe, le voici. Un sentiment de fierté. On est arrivé à relever un défi, pas parce que les élèves n'étaient pas bien l'année passée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont permis, qui ont fait que les résultats n'ont pas donné l'année passée, mais cette année, ça va. Et pourtant, les défis à relever étaient énormes. Patrick Numou, lui-même nouvellement arrivé à l'école Mahombé, a conduit l'équipe enseignante, une équipe remaniée à près de 90%. Au début, ce n'était pas évident, mais bon, avec les collègues et la direction régionale, la direction provinciale, ils nous ont beaucoup soutenus afin qu'on puisse parvenir à ces résultats. Des résultats qui honorent l'école Mahombé. Ce matin, elle reçoit la visite d'une autorité, venue pour féliciter les élèves, mais aussi les corps enseignants. Nous sommes très satisfaits cette année. Parce que le 0%, bon, on ne pouvait rien dire l'an passé, mais ça nous a tous touchés. Mais comme cette année, ils ont bien travaillé, on félicite les directeurs et ses agents. Le travail qu'ils ont abattu, ça nous a donné la tête haute aussi dans la commune et dans tout Burkina. Le grand mérite revient aux enseignants. Je pense que c'est eux qu'il faut saluer pour les résultats obtenus. Un proverbe de chez nous dit, lorsque tu bois l'eau des canaries de ta maman, c'est ta maman que tu dois remercier. Et pour remercier les différents acteurs qui ont permis de réaliser le taux de succès de 86,11% au CP cette année, l'école Mahombé envisage l'organisation d'une grande fête.